السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كان موضوع الفرد الوطني 2018. إذا التمرين تتعلق بلا ريستيتيسيون دي كونيسونس. ديفينيسي لي نوسيون سويفونت. ألال ميتاسيون. بون أن ألال سي كوا؟ سي أون سيكونس نيكليوتيديك كي ريبريزونت لين دي فورم كو بو أفواغ un gène. Un gène, maintenant, le gène qui code pour la couleur, on peut trouver par exemple chez la drosophile, la couleur de des yeux peut varier du rouge jusqu'au blanc par exemple. Donc le rouge, ça représente quoi? Un allèle. Le blanc, c'est un allèle. Deux allèles du gène qui code pour la couleur des yeux. Et chaque méda شكل من أشكال المريتة. passons maintenant à la définition de la mutation. شنو هي la mutation؟ c'est une modification aléatoire de la séquence des molécules d'ADN et que peut toucher un ou plusieurs nucléotides qui sera transmis de génération à la génération suivante. Deuxièmement, les caractéristiques des chromosomes, forme et disposition changent selon les phases de la mitose et la méiose. Citez deux de ces caractéristiques pour chacune des deux phases suivantes. L'anaphase 1 de la méiose, l'anaphase de la mitose. Donc, au cours de l'anaphase 1 de la méiose, il y a quoi ? Il y a séparation du chromosome homologue sans clivage du centromère. Le chromosome a deux chromatides sœurs. Alors, au cours de l'anaphase de la mitose, chromosome, un seul chromatide, clivage du centromère et séparation des chromatides. Bon, passons maintenant à la question 3. Les figures ci-dessus présentent trois étapes d'un phénomène biologique en relation avec l'expression de l'information génétique. Donnez le nom du phénomène présenté par les trois étapes et le nom de chacune des étapes 1, 2 et 3. Bon, un ami Bernard Ribosom, ce sera la traduction. Donc, le phénomène ou la traduction. Pour l'étape 1, il y a l'initiation. On va chercher le ribosome. Les deux unités ne sont pas liées à Mamartaptinch. Ouais, tiens, tape toi, non. Où tu trouves l'ARNT avec le premier ribosome. L'ARNT est avec le premier acide aminé. Donc, pour l'étape 2. Donc, la deuxième étape, c'est l'élongation. لأن تلاحظوا هنا استطالة السلسلة البيبتيدية تتزاد الأحماض الأمينية. La troisième étape, ça correspond à la terminaison. Séparation du ribosome. On a l'UAG qui marque la fin. C'est un codon stop. Il marque la fin de la traduction. On a libération de la chaîne polypeptidique et enlèvement du premier acide aminé qui est le méthionine. Donc la quatrième question, la dernière, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3, 4 et écrivez pour chaque couple la lettre correspondant à la suggestion correcte. La première,
Le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire de chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Oui, c'est juste donc 1A. Alors pour la deuxième question, durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé d'une seule chromatide. De deux chromatides constituées chacun d'un brin d'ADN. Faux de deux chromatides constituent chacun de deux brins d'ADN. Oui, deux C. J'ai juste un A, deux C. Dans le cas de monohybridisme, le croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote, donc 25% du phénotype récessif, 75% du phénotype dominant. Et puis, la deuxième proposition, 75% du phénotype récessif et 25% du phénotype dominant, c'est 25% du phénotype récessif, 50% du phénotype intermédiaire et 25% du phénotype dominant. Alors, la toute dernière proposition, il y a les SHA, 50% du phénotype récessif et 50% du phénotype dominant. Fait le cas de le genre, de la question, tu as réalisé l'échiquier de gamme, tu as raté de tir doublement récessif, tir petit a, mais grand A sur petit a. Le croisement aura très le tableau, tu as dès les SHA. Alors, la toute dernière question. Question 4. Au cours de la réplication de l'ADN, la double hélice parentale reste intacte, c'est-à-dire Khata. Chaque brin des deux molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés. C'est faux. Les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire et d'un NA. C'est la réponse juste. 4C. Idenoïde. Un A. 2C. 3D. 4C. Radin taqlul an. Bachin choufou. Les réponses. Voilà. On a les réponses. M'tofèk lakoum jami'an.